Bonjour à tous, je ne suis pas Punky. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la suite de Phoenix Wright Ace Attorney Trials and Tribulation pour la partie 3 de l'épisode 2. La dernière fois, c'était une phase d'enquête. Nous avons prouvé que Monsieur Henri Duplaisir n'était absolument pas présent aux Galeries de France. Mon dieu, que ce nom est dégueulasse. Seulement, dans notre petite... notre défense, évidemment, nous avons prouvé qu'il n'était pas là, mais par ailleurs, qu'il aurait pu très bien être au locaux de je ne sais plus quelle entreprise, et aurait assassiné une personne. Enfin, c'est... s'en fout de ça, c'est secondaire. Donc, on va se déplacer. On va aller... je sais pas... où est l'exposition, tiens. Des Galeries de France. À chaque fois, je me demande comment ils ont fait. Pourquoi les traductions, c'est de la merde. Ouais, enfin, le channeling, c'est pas la science exacte la plus cool du monde. C'était tellement simple. En même temps. Voilà, y'a rien à examiner, à part que le poil est plus là. On a tout fait la dernière fois. On va aller au sous-sol. Bon. Là, y'a rien. Un peu de peinture, la boîte. Et le l'arme qui est cassée. Et Landry. Merde, oui, tout va bien, c'est ok. Non, on l'a repété, on a dansé dessus, on l'a brûlé, et on l'a enterré. Je sais. Ah, faudrait que j'aille la voir d'ailleurs. Merci de me le rappeler le jeu. Bon, on va discuter avec toi parce que j'ai pas idée de ce qu'il faut faire. L'identité du masque. Et oui, et c'était Matt Moisser, elle est détective avec le doublage à l'annihilation. Alors, quelle coïncidence, pas du tout coïncident, j'ai envie de dire. Tu m'étonnes, mais en même temps, cette urne ne vaut rien. Elle n'a jamais rien. Elle n'a jamais rien valu, en fait. C'est vite dit, c'est pas lui. Il était ici et là en même temps. Vous entrez dans une ligne temporelle. Il s'est dédoublé. Flashback de qualité, image de qualité. Un connard, un bouillon voleur, un menteur. Et concernant l'arme sacrée. Oui, c'est cool, mais je m'en fous. Ouais, l'urne. Ouais, normalement elle devait être pétée. Genre pétée. Genre décédée.
genre des fissures. Et j'active le psycho peut voir sur toi car tu mens. Ça se voit. Deux. Bon. Bah ouais. Ouais, cependant, je suis pas sûr d'avoir ce qu'il faut vu que j'ai commencé qu'il y a à peu près 7 minutes. Donc on ira plus tard. On ira bien plus tard. Où est-ce qu'on va se déplacer maintenant? Le criminel, entre... On va aller à l'agence de détective. Qui n'a pas bougé non plus. Ah oui. C'est qui est par là? Passionnant, ça dépend. Quelle imitation! Bon, bah là y'a rien, examiner y'a rien non plus, donc bah retournons à la planque. Y'a des choses qui ont bougé, j'ai l'impression. Y'a des trucs qui ont bougé. Ouais, tu as voulu l'aider, c'est une bonne chose de ta part, mais tu n'as fait que empirer. Ça ne fait qu'empirer, et oui. Il s'appelle Henri, je crois, pas Rigon. Tu as changé d'émotion en 2-2. Tu fais peur. Alors examiner parce qu'il y a des choses que bah déjà la lettre est toujours là, je pense avoir une copie. Et alors ça c'est quoi? Il y a un truc sur ce costume. Ah c'est un magnétophone. Elle a pas tort en même temps. Et ça c'est quoi? Non. Je pensais pas à ça, je pensais au truc qui était à côté. Voilà, un magnéto. Un jour de l'espace, putain, ça me rappelle des souvenirs. Bon, à part ça, y a pas grand chose. Non, y a de l'hélium. Une torpille plutôt, ouais. Bon, bah, discutons avec elle parce que je n'ai pas d'idée en fait. Thank you.
très bonne question. Il y a sans doute une réponse, mais... La vérité doit être effrayante. Ok, donc j'ai débloqué un truc. Alors je vais y aller direct. Ok, donc là ça mérite des explications. Beau. Il avait une coupe de cheveux dégueulasse comme aujourd'hui. On va voir sur l'aspect de cette image la pétrification dans le regard de deux voleurs et de Madame Duclosier aussi. Qui a l'air pétrifié. Face à une coupe de cheveux pareil, ça s'explique facilement. C'est tellement beau. Je crois que c'est déjà été fait. Bon, ça on s'en fout donc, détaquez-moi ça. Un compromis entre les deux, ça se tient. Le vrai est criminel, ouais, donc lui qui était là-bas. Tu m'étonnes. Sérieux? Il était posé en évidence, ouais. Un beau sac noir sur une table avec une nappe blanche. La discrétion maximum. Ah oui, câble de sécurité. Est-ce que je pourrais me dire où c'est, s'il te plaît? Ah, oui, il travaille là-bas. Clin d'œil. Agent de sécurité est professionnel. Attention, ça ne rigole pas. Paul. Non, faut que j'aille le voir, Paul. Non, parce que si on parle de Paul, ça veut peut-être dire que... on sera obligé de le rencontrer. On va y aller, on y va, j'ai épuisé tous les sujets de discussion. Donc on va se déplacer tranquillou au bureau du PDG. Waouh, c'est grand, c'est beau.
Salut Billy, comment vas-tu? Ça, c'était une porte qui se fermait, c'était magique. J'ai l'impression que t'as tout le temps en fait. Ça a l'air d'être le moment pour lui. Sa santé mentale est affaiblie. Vite, demandons-lui des choses. D'abord, indice pas du tout explicite, extrêmement bien caché. Le beau classeur bleu qui est sur le bureau. C'est magnifique. J'ai la liste de Ken. Ken Verdier. Ken de Street Fighter. Je ne sais pas. J'observe quoi? Le gros bouton. Ça se voit quand même qu'il y a un bouton de moins. Allons-y. Que le PDG s'est pas attaqué. Un dog s'est pas attaqué, je pense. Ce n'est pas le mot. Ah oui, j'ai ajouté le bouton. Bon, on va ajouter aussi ce magnifique coffre. Cet énorme coffre. Des magnifiques trucs verts. Enfin, encore non. Pourquoi je dis vert? Sérieux là? Genre sérieusement? Oh, et puis là on a quoi? On a un magnifique ordinateur. Des étagères. Ouais. Intéressant. Bon, je pense avoir tout examiné. On va discuter maintenant. On va parler un petit peu de ce qui s'est passé. Voilà. T'as pas le droit. Ouais, c'est ça. T'as jamais le droit. Oh, il est beau. Oh, il est magnifique. Une orgue du mat. Waouh. Un gros objet dans cette pièce. Je ne vois pas.
Ce billard, c'est Buller. Ah ouais? Alors, il est quoi? Moi, je veux savoir. J'étais caché derrière trois cartons. Personne ne me voyait. Fufufu. Ah bon? Un témoin. À moins de dire un truc. Eh, c'est vachement pixelisé quand même. Très bonne vue. Très bonne vue. Très très bonne vue. Ah, j'applaudis. Et Godot dans tout ça, parce qu'il est cool, Godot. Il m'en veut à mort, mais il est cool. Il boit du café. Le café, c'est la vie, un peu de vie. En quantité limitée, cependant. Et ben faut le faire, je croyais que Francisca von Kerma te faisait encore plus flipper. Comme si elle savait ce que j'allais faire. Je suis sûr qu'elle est dans cette pièce en train de m'observer. Qu'est-ce que je peux te présenter à toi comme preuve? Non, pas l'alarme. C'est une merde. Bon, tant pis. Je fais ce que je veux. Moi, je voulais la carte, la clé magnétique. Ce portefeuille et la... Et sa clé magnétique. Ok. Rapport d'autopsie, on s'en fout de la couverture du journal, tu peux m'en dire plus? Si je te montre un profil maintenant. Parce qu'on sait tous que ce personnage t'aurait du plaisir. Je veux dire nos suspense. Bon, on s'ennuie, on s'ennuie. Ah oui, Ken Bullard, oh magnifique tête. J'aime ça. C'est Crane Bomber. C'est Ken Buller. Ken Buller, c'est très méchant Nicky Larson quand même. Waouh. Hey Nick, tu as débloqué un sujet de discussion, ce n'est pas du tout cliché.
Bah c'est la sécurité, non? Des secrets. Comme n'importe quel humain, j'ai envie de dire. T'es déjà pas très clair toi-même, alors... Voilà. Waouh. Énorme. Ah, attends, ça peut être intéressant. Si je te montre la lettre de chantage. Ah oh. Idée intéressante. Idée très très intéressante, Maya, bravo. Bon, ça tu t'en fous, ouais, c'est ce que je pensais. Bon, bah j'ai tout, je pense avoir tout. Normalement là j'ai épuisé tous les sujets de discussion, exactement. Donc on va se déplacer à la salle de surveillance. Ok, j'ai pas envie. J'ai plus envie. Non, je regrette ce que je viens de faire. Non, parce que je vois qu'il y a un habit que je connais, donc j'ai pas trop envie de savoir, j'ai pas envie de le voir. Salut, sac à merde, comment vas-tu? C'est ton patron décédé. Ah ouais, t'as un tuyau. Quelle belle philosophie de merde. On va discuter un petit peu de... Ah tiens, la nuit du crime, on va voir ce que tu sais, hein, salaud. Ah, ça par contre, c'est une intervention IRL avec un caillou dans ma fenêtre. C'est génial, j'aime. Alors, désolé pour cette petite intervention. Donc, oui, c'est la merde pour toi. Bon, bah, je suis cool. Bah, parle-moi un petit peu de ton taf, alors. Ça fait quoi être agence de sécurité? C'est la guerre. Évidemment, sacré merde. Est-ce qu'il est ce bon tuyau?
parle pour toi là. Bon, voyons. Je vais m'occuper de ton verrou psyché. Premièrement demain. Donc on est parti, l'heure du duel. Oh yeah. Et sans traduction, les petites traductions dégueulasses. La nuit du crime, tu bossais dur, comme tu étais censé le faire. Là, est-ce que je fais une voix dégueulasse? Ah oui. Et que bien sûr, et bah tiens, et pourquoi pas? Tu t'es pourtant échappé en loose pour aller voir Madame Elle du Plaisir hier. Mais c'était avant, et maintenant c'est maintenant. Y a-t-il une chance que tu te sois absenté aussi cette nuit-là? Et jamais, je ne me suis jamais absenté, à ma parole, je te parie un euro. Un euro? Waouh, si ce n'est pas être sûr de soi ça. Et j'ai l'impression de lire du dédain dans ton regard. Ah, je suis à la preuve que j'ai abandonné mon poste où tu bluffes. Je dirais bien le portefeuille. Et c'était le portefeuille. Est-ce quelque chose au sujet de ce portefeuille? Je n'ai jamais vu de ma vie. Menteur. Un menteur, voilà. Tu l'as ramassé toi-même hier. Non, tu l'as ramassé toi-même à Madame du Plaisir. Hier. Ramené, pas ramassé, connard. L'âge du lest, comment vas-tu que je me souviens de tout ce qui se passe? C'est quand même normal de se rappeler des événements qui ont lieu la veille. Flashback inutile. C'était le mensonge inutile. Une heure et du matin. C'est exact. Autrement dit, Paul. Alors le meurtre a été commis. Tu n'étais pas à ton poste de surveillance. Yeah. J'adore l'animation de ces verrous. Ouais, mais tu oublies qu'il y a un truc. Quoi donc? J'ai pointé à 22h ce jour-là. Elle l'assassin a pu entrer avant. Et que veux-tu dire par là? Si l'assassin s'est introduit dans les coins avant 22h, alors c'est pas ma faute. Et c'est la faute du gars qui me sert avant moi. Pourquoi j'ai l'impression qu'il ne prend toujours pas cette affaire au sérieux? Écoute, Paul. Nous savons sans avoir l'un l'autre que le tueur a pénétré dans le bureau du PDG après 22h pour un contour de garde grâce à cette magnifique carte magnétique. Paul, quand tu utilises une clé magnétique, les données sont-elles conservées? Eh oui, tout à fait. Mais ça, je peux pas le montrer à tout le monde. Les données de CT ont déjà été rendues publiques au procès d'aujourd'hui. Et que je ne savais pas. Ce genre de demande d'information est censé passer par moi. C'est pas un peu rond de la part d'un agent de sécurité à mi-temps. En tout cas, selon ces données, cette clé a pu ouvrir la porte du bureau. Et ce, sur les coups de 1h du matin, à savoir l'heure présumée du meurtre. Ah, pas possible! Si, quelqu'un s'est servi pour pénétrer dans le bureau du PDG. Ça s'est passé à 1h du matin, la nuit du crime, en plein pendant ton service. Paul, tu peux pas fuir ta responsabilité cette fois. Yeah, non, je meurs. C'était les doubles agents Killerson de merde. Là, je l'ai fait exprès de croire que j'ai menti. Donc on y va. C'est toujours toute ta faute, évidemment. Oui, toujours ta faute. Qu'est-ce qui s'est passé? Madonna. Ah, Madonna, la gamer. Ah, la blague en excellente traduction, la con. Évidemment, c'est lui qui fera toujours en premier. C'est pas vrai. Oui, tout est ta faute. Je vais te poser des questions, s'il te plaît. Fais pas taper. Il est en PLS.
Génial. Te montrer les trucs, est-ce pas trop tôt? Ah ouais? Non, tu crois le scénario t'en a empêché, c'est tout. On lui dit que c'est mort. Genre vraiment. Moitié plein. Sac à merde. Wow, réflexion intense de ouf malade. Énorme. Putain, toi tu te casses pas le cul, on dirait. Il a l'air sympa, c'est effrayant. Moi je veux le buton. Parce que c'est super important les buitons. Ah ah, le drogue de merde. Le buton. Oui, écoutant le journal, peut-être qu'il sait un truc. Rien du tout. Trop cool. Énorme. Et alors? Waouh! Putain, la sécurité ici, c'est le top level! L'homme le plus flemmard du monde. Il bat même le paresseux. C'est incroyable! Hein? Vérifie-le à nouveau, on sait jamais. Musique qui s'est arrêtée. Oh, ce n'est pas du tout suspect. Voilà. C'est ce que je disais. Ça alors. Le scénario est-il si puissant que ça? Voilà, j'ai le registre de l'alarme que je vais te présenter, évidemment. Et si tu me dis que tu sais rien, j'ai envie de t'en foutre une. Voilà. Ok, bah, qu'est-ce que... Bah non, normalement j'ai une équipe qui suit les discussions. Ouais, il y en a 4. Ouais, bah c'est bon, j'ai plus besoin de toi.
retourner au bureau du PDG, voir Monsieur Detective. On va lui présenter le bouton. Moi, j'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait, oui. Putain, t'es sérieux, même ça, tu sais pas. Ouais, même là, j'ai fait tous les sujets de discussion possibles, donc... je sais pas... Retournons à la... On va aller au centre de détention, tiens. Quoique toi, je vais te présenter des trucs. Ok, registre. Non, bon bah... J'ai essayé des choses, non, bon bah c'est mort. On va se déplacer. Sans la détention. Est-ce que y a un truc qui se passe? A priori, peut-être, je sais pas. Ok, bon bah là je sais pas quoi faire, on va retourner au bureau et demander à Maya ce qu'on fait. Son vase... Je sais pas quoi faire. Discuter, qu'est-ce qu'on fait? Non, sérieusement? Merci le jeu de m'aider au bout de 45 minutes, hein, c'est cool. Bon. Ah bah tiens, on a débloqué, on débloque des trucs, c'est trop cool. Ah oui, l'an dernier, c'était cool. Souvenez-vous, c'était dans l'épisode 2 du deuxième jeu. Voilà. Bon, bah j'ai pas l'idée. Peut-être on va retourner dans le... On teste... Ah bon? Fallait parler à Maya? C'est tout? Pas putain. Incroyable. Bon bah on débloque la suite. Je m'attendais à une connerie de la part du jeu, mais non en fait. C'est pas bien de mentir. Thank you.
Où est-ce qu'est-ce que tu foutais? Tu étais où? Et pourquoi? Bon, bah on va tout faire, hein. Mais t'es con, tu le fais exprès. C'était Mademoiselle. Je vais faire un doublage dégueulasse quand il a pété son câble. La schizophrénie, c'est trop cool, t'as vu? Ok, donc si c'était pas toi qui avais les urnes, c'est que tu n'es pas masqué de masque. Ça, c'est fait. Donc, la ligne du crime, tu étais où? Enfin, tu étais avec la sécurité. Oui, c'est bon. Il s'est passé quoi? Ok. Pour l'instant, ça se tient. Flashback. Bon, alors, je suis pas super fort au jeu des ombres chinoises. Mais une silhouette pareille, si vous l'avez bien vu et que vous pouvez faire pause, moi je l'ai vu 2 secondes, c'est maintenant ça. Hein, je suis désolé de vous l'apprendre, mais la réutilisation de personnages en ombre, ça, c'est faible. Puis c'est trop simple. Magnifique reflaquette au passage. Tu l'as caché. Sac à merde. Il est prêt. Ah, déjà. Évidemment. Lol, t'as vu? Alors, raison du renvoi. Je crois qu'elle s'en fout. Ah, ok, je comprends. Ok, bon, maintenant il faudrait que je te prenne des trucs. Parce que tu ne m'aides pas. Donc l'aide de chantage, hein, parce que c'est cool et puis oh, ça te va bien, voilà. Ensuite le portefeuille, hein. Ah. Ça explique des choses déjà, ça. Ok. Bon, la photo publicitaire, on s'en fout. La broche. Ok, il s'en fout. T'as rien raté, c'est normal. Ensuite, la liste de Ken. Non, tu le crois?
150 000 boules, après 100 000 boules. Ok, et le buton. Il est cool ce buton. Ah, la coupure du journal, ça c'est super intéressant. Je le savais. Incroyable. C'était bien lui. L'idée du siècle. Sérieusement. Bah oui, parce qu'en même temps, voilà. Voilà. Oh, la mise à jour, incroyable. Mon cul. Ah, ça, par contre, c'est très intéressant. Ah, c'est encore plus intéressant. Ah, la, comment ça, la première lettre? Ça veut dire que ce que j'ai trouvé, c'est pas la... Pardon? Excuse-moi. Oh, j'aime bien cette musique, dis donc. Pour te dire, sujet de discussion débloqué. Ah, celle-là, elle est cool. Bah putain, tranquille. Les plans, mais quoi? Qu'est-ce que... Ah merde, non, reviens au sujet de discussion numéro 5 qui a remplacé le numéro 1. Ah ouais, donc en fait t'es une vraie merde. Toi mon gars, on va pas être pote. Je crois qu'on va plus être pote en fait là. Et il était où le coffre? Oui, on s'en fout de ta femme, de toute façon, moi je m'en fous. Oh, j'ai le témoignage de Laurie. Ah oui. Ah, ça y est, j'ai fini. Cool. Monsieur Ken Buller. L'as-tu tué? Bah, quand même. Oh, en fait, il est pas con du tout. Il est pas con du tout, ce mec. Oui, qui parle? Qui est-ce? Oh putain, oui. Oh oui, la gamine, le sidekick rigolo. Oh mon dieu,
personne, je ne m'y attendais absolument pas. Comment ça, c'est la vraie? Comment ça, quoi? C'est la vraie, t'es sûr? Non, il y a un problème, tu crois? Ouais? Ah, d'accord. Ok, moi je sais où elles sont, d'où elles viennent. Enfin voilà quoi. Mais on t'oublie pas, c'est bon. Bon allez, je me casse. Des bisous. Dors bien et puis on se dit à demain. Ok? Ok. Allez, salut. Attends, faut que je retourne là. Tac, on se déplace. On va à hall d'exposition. Hein, c'est super lent. Parce qu'il reste le verre psyché de Madame Landry, il me semble. Là, voilà. Ah, il s'est passé un truc. Excusez-moi, je n'ai pas suivi. Ouais, là encore. Ah d'accord, c'est juste une discussion à la con. Pardon, mademoiselle Landry, vous gelez le passage. Tac, là c'est rose. Bon bah c'est rose. Waouh, la corrélation incroyable. Une corrélation digne de Maigret. Bon, hop, on va. Oh mon dieu, du rose encore. Ah mon dieu, la corrélation incroyable. Oh, c'est trop fort pour mon cerveau. Il n'y a plus de musique, donc il se passe un truc. Ah, les pièces du puzzle se mettent en place. Bon, et ben, c'est tout. Fais entrer. Allez, tac. Ouh. Oui, ta coopération. Bon, étoile de peinture. Hein. Non. Sérieux? Putain. Bon, ça se voit à ce point que t'essayes de me cacher un truc. Regarde cette boîte. Dossier. Attendez, je vais examiner. Des traces de peinture. Bon, allez, Landry. Je pense que je suis le boss final de ce chapitre, donc on y va. Duel. Et je ne ferai pas de doublage. Bah ouais. Regarde. C'est une urne. Cette urne est bien la vraie. Et oui, regarde. Elle est revenue. T'as vu?
Ah bah ouais, regarde, ah bah j'ai une autre preuve, tu vas voir, c'est trop cool. C'est génial. Ouais, en même temps, quand tu brises quelque chose deux fois, est-ce que quand on brise quelque chose une première fois, qu'on le recolle et qu'on le rebrise une seconde fois, est-ce que ça fait plus ou ça, est-ce que ça fait autant ou plus de morceaux? C'est une vraie question. Bah oui, regarde. Une photo noir et blanc. C'est noir et blanc, ça peut être que vrai. Regarde. Oui, regarde. Regarde. Oh, regarde. Oh. Ça alors, c'est devenu ami. Mais quel est donc ce mystère mystérieux? Oh là là. Allez, on fait. Alors, ça peut être con, tu vas voir, mais la boîte de l'urne, voilà, en fait. Bah regarde, elle est rose, la boîte est rose, je sais pas, à moins qu'on s'est amusé à vous faire du paintball sur la caisse et sur le vase, car entre temps aurait pu tomber, c'est vrai, ça aurait fait une corrélation incroyable, mais là non. C'est la même. Est-ce que tu me suis? Bah ouais. Regarde, j'ai une photo incroyable. Une trace de peinture sur un mur. C'est la preuve God tier, ça, tu vois. C'est la preuve niveau 9000. Regarde, ça fait un coin. Comme si un objet aurait été posé ici. Bah, boum. Allez. Ça, c'est fait. Donc maintenant, parle-moi de l'urne sacrée. Dis-je avec un grand sourire salique. Ça explique déjà pourquoi tu l'as lustré à mort avant l'exposition. Et soudain, j'ai glissé sur un pot de peinture. Alors regardez ce faciès incroyable de André Alandry. On pourra en faire une tête de capin. Enfin, ce sound effect était énorme. Et plouf dans la peinture, évidemment. Bon, et bah ça y est. On se rend mal. Et dans un sens, au moins. Le nom est écrit dans le bon sens. Bah ouais. Allez, c'est fait.
Ah, c'est pour ça que t'as déplacé la statue. Ok, ça explique des choses. Mais pourquoi le Sichicito est tombé et cassé? Ah bon? Ouais. Eh bien André, as-tu quelque chose à dire pour ta défense? Est-ce que le Sichicito peut t'aider? Combien on paraît qu'il y a un truc dans l'urne? Alors moi je préviens un truc. Dans l'urne, il y a les objets volés. Voilà, prédiction. Fin du chapitre. Ouais. Ah, c'était long. Ça m'avait manqué. Ah, la petite musique de sauvegarde. Eh ben c'était long, j'avais oublié à quel point c'était que ça durait au moins une bonne heure chaque phase. Mais ça m'a fait plaisir là. J'ai pu rejouer, j'ai pu m'amuser un petit peu et faire des doublages de merde. Et ça c'est super important. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas comme d'habitude le même blabla habituel, l'abonnement et la clé, les commentaires et tout ça. De défoncer le pouce bleu, de vous abonner si c'est pas déjà fait, d'aller regarder les autres vidéos si le cœur vous en lit. Je vous souhaite un bon jeu et je vous dis à la prochaine.